Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser la daube provençale. Pour cette daube, on va procéder en deux étapes, la marinade, la cuisson. Pour la marinade, il nous faut 800 g de paleron, une carotte, un oignon, deux gousses d'ail, une bouteille de vin rouge, deux clous de girofle, une branche de thym, deux feuilles de laurier et deux morceaux d'écorce d'orange. Pour finaliser la recette, il nous faudra 3 carottes, 2 oignons, une tranche de poitrine salée, 80 g d'olive noire, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à soupe de farine et de l'huile d'olive. Première étape, on ajoute l'ail en chemise, écrasé avec la pointe du couteau. Ensuite, nous plantons les clous de girofle dans les oignons, les carottes en rondelles, nous ajoutons les deux morceaux d'écorce d'orange, le thym et le laurier, et pour finir, le vin rouge. On couvre la marinade avec du papier film et on laisse mariner 24 heures au frigo. Sortez la viande du frigo préalablement pour la laisser reprendre en température. Séparez la viande du reste de la marinade et bien égouttez. On verse un trait d'huile d'olive dans la poêle. Nous ajoutons ensuite les oignons, les carottes en rondelles. Je fais revenir ma garniture aromatique pour ensuite ajouter la viande. On ajoute le concentré de tomate pour le laisser caraméliser. Ensuite, on ajoute la farine. Pensez à bien faire cuire votre farine. Et pour finir, on ajoute les olives, la marinade et on cuit pendant 4 heures. Pour aller avec la daube, des pommes de terre vapeur ou des pâtes iront parfaitement. Bon appétit !